wish I didn't have to give in to the pressure. Uh-oh. Cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, do the same, we'll be alright. Cause this pressure's really bringing me down. Oh, dites donc, ça remue là. Ah voilà, c'est de la musique qui fait c'est de la musique qui fait rentrer des gens dans le club, ça hein. Lol. Ah, le véhicule d'un client est arrivé. Ouais, bonjour les potes. Bonjour. Je dis yo les potes d'habitude. Yo les potes, j'espère que vous allez bien les petits potes. On est parti pour un nouvel épisode de Soum Soum Business Class. Et on est toujours mercredi les gars. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. En fait on est mardi. Je croyais qu'on était mercredi moi. Donc je pensais que ce soir on saurait les promos, mais c'est mort en fait. Oh ouais frérot, oh ouais bon. On va sortir et rentrer, on va demander on va faire sortir un Gugus de la boîte pour la pop. Oh ouais les gars, non, on est mardi, ça veut dire que j'ai encore 2 jours à tenir avec des promos éclatés et... Ah ouais non, bon bah écoutez, ça tourne mal hein. Bah c'est pas grave les gars, on va se sortir les doigts. Oh, c'est dégueulasse cette expression, elle me dégoûte. Non, on va se remuer le popotin, voilà c'est mieux. Voilà. Tac. Alors il y a un mec dans les toilettes, on va le voir vite. Poussez-vous. Oh le bordel. Ça c'est déjà bien ça. La pop à fond. On est tranquille pendant normalement 2 fois 48 minutes. La deuxième fois je gagne 45 000. Donc 2 fois 48 minutes c'est pas mal. Alors il fait jour, il fait beau. Ouais nice. J'ai une moto dans le club de motards. Ils ont fini de parler là. Oh, il parle trop. Ouais, bon bah on va faire la petite moto du club de motards. Déjà, ce sera toujours ça. On va tourner la roue au casino aussi. Ah ouais. Et je pense qu'on va acheter ce que je voulais acheter dans le dernier épisode. Hein. Le cannabis. Au bon lait de brebis. Il va falloir l'améliorer pour que ce soit. Ah bah non, j'ai pas assez. Je suis trop con. Bah oui, dans le dernier épisode j'avais pas assez. J'ai toujours pas assez. Hein. L'argent vient pas tout seul. Hein. Et ouais. Oh le motard, complètement dingo celui-là. Cabine téléphonique, flemme. Et nous voilà, nous arrivâmes. Allez, on va livrer le véhicule. Comme ça on commence le Soum Soum, on se fait 50 000. C'est nice. C'est où frérot? Oh non, bon, j'ai pas de chance, bon c'est pas grave. Allez on va bourrer, tant pis si on abîme un peu la moto, on met les watts. Ah c'est vrai, j'ai acheté un pistolet perforant, j'avais zappé. Lui va me tuer, non? Il s'est pris 2 bastos. Oh 2 MK2 à gauche. Oh non frérot, non. Pitié les gars, non. Ne faites pas ça. C'est bon, on est passé. Red joue à gauche. Il fonce pas vers nous, c'est bon. Olé, olé, olé. Ah bah ouais, là j'ai cartonné frérot. Eh ouais. Bon bah on fera pas le perfect sur cette livraison. Tant pis. C'est quoi comme moto, la Vortex? Ouais. Ouais, elle est jolie. Pas assez rapide mais jolie. Ouais, vas-y là, je coupe. Je coupe frérot. Olé, 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 c'est bon. Et nice, nous voilà, nous arrivâmes, hein, allez. Oh, j'ai encore perdu sur le grillage, bon, bah, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'ai pu, mon pote.
Ouais, il est pas content. Il a une tête de fou, le PNJ, je trouve. J'ai pas envie de lui parler, ma parole. LR, les photos. Oh, dealer. Mais ça sert à rien parce que la coque, elle est pas pleine. Attends, je vais t'aider. Il y a un mec en cargo bob. Je vais t'aider. Ouais, il va se cracher. Vas-y, je lui mets la sauce, là. Soit police. Non, mais le pistolet perforant, frérot, c'est avec un silencieux. Attends, j'appelle Lester parce que là, ça va me saouler. Moi, je vais quand même voir le dealer s'il prend la coque en étoile. Il y a peut-être moyen. Non, non, il prend pas la coque en étoile. C'est inutile. Par contre, nous, les photos animalières, on est dans le désert. Il y a peut-être moyen. Serre puis ma buse. Attends, levons les yeux. C'est pas des buses, ça? Là, c'est une buse. C'était une buse, frérot. Abuse pas. Abuse pas. Lol. Comment ça, c'est pas des buses? C'est quoi, alors? Mais si, c'est des buses. Non, non, c'est pas des buses. Je sais pas ce que c'est, alors. Ah, c'est des corbeaux, peut-être. Ah ouais. Oh là là. Non, bon, vas-y. Il y a le chrono-vélo juste à côté, les gars. Je vais me le faire. Ça fera 50 000 en plus. On aura déjà fait 100 000 dans cet épisode. T'es sûr que c'est pas des buses, ça? T'es sûr que c'est pas des buses? Non. Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Faut pas insister. Ah si, c'était une buse. Nice. 20 000 boules. Puis ma serre, hein, on va le faire. Hein. J'ai activé le rond, Rockstar. Dépêchez-vous avant que je meure, s'il vous plaît. Rockstar. Ah ouais. De tension, le truc. Allez, let's go, petit chrono. 1 minute 50. C'est du pain béni. C'est free money. Oh, j'ai failli me péter la gueule, là. Là, fallait faire le petit jump, là. Bien, bien joué, mon petit JK, bien joué. Ah, il est horrible, ce chrono. T'as l'impression d'avancer à 2 à l'heure sur le terrain de motocross. Ah ouais, c'est éclaté, frérot. C'est bon, c'est dans la boîte. Wouh! Nice! Et déjà 120 000 de fait. Rapidement, facilement, 1 million 2. Par contre, là, maintenant, faut que je trouve un Puma. Oh là là, il met le véhicule à l'autre bout, frérot. Ah, bon, c'est pas grave. Oh, endurance 100%. Ça, c'est nice, les gars. Voilà, sans faire d'effort. C'est venu tout seul. Voilà, ça aussi, c'est venu tout seul. Ah. Voilà, lui, il va me faire chier. Vas-y. Allez, viens me faire chier, viens. Viens me faire chier, viens. Allez, big boom. Changement de session. Hop là. Venez me faire chier, les gars. C'est bon. LR, de retour à la boîte. Faut pas rêver, hein. J'ai pas les... J'aurais pas le petit truc à 50 000 full, là. Vente de bien. Non, 1 sur 2. Ah, éclaté. Les temps sont durs. Oh, session quasiment vide. Ok, ça m'arrange. On va spawn ailleurs. Ah, c'est chiant, les gars. J'ai pas l'appartement de l'agence. Alors, eh ben, j'ai fait appartement. Il m'a fait respawn ici. Ok, why not. Allez, on va essayer de taper un petit contrat. Ok, les flics. Nice. Merci, la police. Elle est belle. Guerre commerciale. Ouais, je la ferais bien, la guerre commerciale. Mais bon, ça me permettrait de faire une vente de boîte de nuit. Il y a personne dessus. Pourquoi tu fais demi-tour? Lui fait demi-tour, juste pour me faire chier. Bon, allez, vas-y, on vise l'agence. C'est plus rentable que la guerre commerciale. 5 minutes la mission. Enfin, ça dépend. Si t'as le laboratoire Humans, c'est pas 5 minutes. Hein. Pourquoi je suis sorti par là, moi? Encore un char. Mais ils ont quoi aujourd'hui avec les chars? Vite, rentrons à l'abri. Vite, vite. Pourquoi je peux pas rentrer? Ah si, c'est bon. LR, j'espère que j'ai un contrat satisfaisant. Spécialiste plus, fais-moi rêver. Oh non, j'ai que du professionnel, frérot. Les gars, j'hésite à... Pour 1 million de dollars, j'hésite à me retaper ça. J'ai mis 3 heures la première fois. Mais j'avais 2 missions en plus. Que j'ai pu à faire. Ouais non, frérot, le temps que tu l'ailles. Soit tu fais un épisode full agence. Enfin, full Dr. Dre. Ah ouais, non, c'est mort. Putain, j'ai... Bon, bah, je vais me taper un contrat à 30 000. Mais c'est éclaté. Putain. Non, mais les gars, c'est éclaté, contrat à 30 000. Non, en fait, c'est pas éclaté. C'est bien. Mais quand tu sais que tu peux avoir le double en spécialiste plus, t'as envie d'avoir un spécialiste plus. Je vais aller voir ma coque. Ma coque, normalement, je pense que j'ai une petite vente sympathique. Téléphone, faudrait que je regarde combien c'est, je crois que c'est 44 000 les téléphones.
Oh non, 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 non. Le prochain coup de fil, après celui-là, je le ferai. Pour tester, pour retester. Et puis là, le minou. Allez, dis-moi que j'ai au moins un bâton complet, que je fasse une petite vente, là. Allez, un bâton, un bâton. Suspense. Ah yes, j'ai un bâton. Bah c'est pas grave, c'est pas la vente à 105 000. Mais c'est pas grave. Enfin si, c'est la vente à 105 000 là, mais pas dans le... T'as compris. Elle est pas full, j'aurais pu faire mieux, plus opti, mais... C'est pas grave. J'ai rien à faire pour l'argent là, donc... Monter dans le camion. Oh non, le camion poubelle, non putain, non, le pire. Oh non. Je vais me faire péter en plus, c'est sûr. Ah, j'ai pas de chance là. Je vais me faire péter, les gars, c'est sûr à 200%. Ça va, il est relativement rapide quand même en ville quand il est lancé. Ça va. Ouais. Ah ouais, par contre, dans les côtes. Ouais, je passe devant des gens. Aïe 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 aïe. Ça va, il m'ignore. Ça va. C'est une vente pour 130 000 à peu près. De quoi péter les 1 400 000. Ah ouais, c'est la mort. Là, tu vois, cette petite portion là, bon, on va mettre 3 minutes hein, pour la passer. Hein. En plus, tu peux pas couper, je crois. Ah, si, je peux couper. Non, je crois que ça passe pas. Ah ouais. Ah si, là, ça passe. Ouais, c'est un coup à bloquer le camion. C'est un coup à bloquer le camion, faut pas faire ça, les gars. Par contre, ce qui est bien, je crois, c'est qu'il n'y a pas besoin de descendre du camion, contrairement au... Ouais. Mais là, comme ça, contrairement au colis postaux. Oh là là, je peux pas prendre un raccourci, là. Si, là, ça passe. Avec de l'élan. Oui, oui, oui. Oh, nice. Là, je viens de gagner du temps, là. Attention à pas se bloquer. Oh, ça va, les 3 points sont juste à côté. C'est nice. Et il n'y a personne. De surcroît. Et la nuit tomba. C'est ainsi que la nuit tomba. La pleine lune brilla. Oh, oh le moment de malaise. Allez. Plus qu'un camion, plus qu'un largage. Et 157 000. 157 000 dédits. C'est nice, nice, nice. Et là, ça serait bien que je fasse un détour dans la forêt, mais pour ça, il faudrait que j'ai un hélicoptère. Vas-y, amène-moi ma bâtisse, c'est exceptionnel. Hein. C'est juste parce que c'est rapide à appeler. On va aller à l'aéroport de Trevor. Faut pas dire l'aéroport de Trevor, c'est l'aéroport de Sandy Shore. C'est pas faux. Ah non, je referai pas l'acide, les gars. Il y en a qui m'ont dit, bah, fais l'acide. On dit, non, 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 je fais pas l'acide. C'est mort, j'ai pas envie de mourir de l'intérieur. Alors, dis-moi qu'il y a un hélico. Eh ben, c'est pas grave, on va prendre le Titan, j'en ai rien à faire. On va se parachuter, les gars. Cette opération Puma, les gars. Ah bah, il y a un cargo Bob. Oh bah je préfère le Titan. C'est un peu long au décollage, mais après c'est de la ligne droite et ça nous évite de faire tous les chemins. On va mettre le point sur le radar, exactement. Ouais, là à peu près, ouais. Allez, décollage. Ah, y a un mec qui fait, il s'amuse à faire... Oh, on se croise. Il y a un mec qui s'amuse à faire des allers-retours en jet, atterrir, décoller. C'est vrai que c'est drôle, j'ai déjà fait. Les gars, je crois que ça fait 6 ans que j'ai pas pris un Titan dans GTA Online. Attends, pas survoler la base militaire. Mais pourquoi j'ai mis un point là, frérot? C'est là, la forêt. Let's go.
Vous voyez que c'est quand même plus rapide. Hein. Et ben on se parachute les gars. Ouh! Il faut tomber au bord de la rivière dans la forêt là. Ici. Nous cherchons un jaguar. Ainsi qu'un cerf. Opération réussie. Pour le moment. Impeccable. Bon les gars, faites pas de bruit. Là, il y a toujours des cerfs qui boivent de l'eau. Oh putain, j'ai les flics, ça va tout gâcher, frérot. On va se cacher des... Ah voilà, c'est un cerf ça ou pas? Il a des bois ou pas? Non. On évite la police de justesse. Là, il y a toujours des cerfs ici, frérot. Et il y en a pas. Ah si, il a des bois, lui, non? 50 000 dans la boîte, c'est nice. Nice, oh, la belle photo. Vite, 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 il y a les flics. Ah, il voit pas dans la forêt. Il voit pas loin parce qu'on est dans la forêt ou la nuit, je sais pas. C'est bien fait, ce jeu. Le puma. Alors, le puma, frérot, c'est pas facile parce que quand tu le vois, généralement, il te bouffe. Je prends cette vieille caisse. Là, il y en a pour ouais, 60 000 $ encore. Il n'y a pas un animal, là? Ah, bah voilà, j'ai le puma. Oh, trop facile, ce safari, aujourd'hui. Comment ça? Ah, c'est pas un puma? C'est quoi comme animal, du coup? Mais si, c'est un puma, frérot. Putain. Je dois me rapprocher. Et ouais, il se tourne. C'est un puma, frérot, je te dis. C'est bon. Ah, c'est bon, les gars, c'est bon, j'ai la photo. Ah, putain, bah, c'était obligé. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, on s'est fait bouffer. Mais au moins, on a fait le défi photo. Par contre, là, je vais être obligé de respawn ailleurs. Hein. J'ai pas tourné la roue, les gars. J'ai dit que j'allais au casino, j'y suis pas allé. Hein. On va y aller. Casino, agence. Bah non, l'agence, ça va pas se renouveler. Les contrats, je suis teubé, moi. On sera plus près du casino si je vais dans le salon auto. Let's go. Sortons de ce délire underground. Ah, je suis plus du tout dans le délire underground, les gars, mais... Je sais pas, j'étais à fond dedans. Et puis, piouf. D'un coup, ça m'a plus motivé. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être la sensation intérieure d'avoir fait le tour. Pour le moment, en tout cas. De l'underground. Guerre commerciale. Oh non, c'est la moto. Bon, c'est pas grave, ça ira plus vite. Direction le casino, tourne la roue. Toi, tu vas te faire rafaler. Ah! Non, je l'ai pas rafalé finalement. Je me suis dit, ça sert à rien de chercher les embrouilles. Déjà, sans rien faire, il y a toujours un mec qui vient t'embrouiller. Donc, oh là, le trafic. Nous voilà, nous arrivâmes. Ah, c'est un nouveau joueur. Les gens qui ont la gauntlet là, c'est une gauntlet je crois. C'est des nouveaux joueurs, hein, ceux qui ont ce véhicule en tout cas. A chaque fois, bah ouais, parce que c'est un véhicule que t'as gratuit. D'ailleurs, je vais regarder si j'ai pas des véhicules gratuits, parce que je crois que l'autre jour, j'ai aperçu quelques véhicules à 0$. Welcome to the casino, les gars. L'endroit où tout est possible. Tu rentres, t'es pauvre, tu ressors, t'es encore plus pauvre. Vas-y, tourne la roue. Elle l'air, qu'est-ce qu'il va gagner, Norman XL? $30 000, bah ça va, on se met bien. Ça va, tu te mets bien, frérot. Tourne la roue pour Jean-Kevin. LR. Oh, du closing, incroyable. Mon secours dégradé vif, ok, super. Bon, bah, je voulais jouer aux machines à sous, vu que j'ai rien gagné d'intéressant, je me casse. Hein. Il va se calmer, lui. Ah, nouvelle livraison de moto. Il y en a un qui s'est barré avec ma moto. C'est pas moi qui t'ai attaqué. Il va m'attaquer. Hein. C'est pas moi. Là, il vient pour m'attaquer, lui. C'est pas moi, frérot. Oh, comment elle pue la merde, cette mitraillette. C'est terrible.
caramel mou. Ok, ça va partir en cacahuète ici, je sens. Norman a quitté. Bon, allez, moi je me TP dans le QG. C'est du bar, faudrait que je le fasse, ça aussi, c'est pas pour ce que ça prend. Hein. 10 000 plus 20 000. Allez, la Wolf, ben, une belle moto. Hein. Allez, celle-là, on va essayer de faire un perfect. Qu'est-ce qui s'est passé là? What, la moto, j'étais bloqué dans un chargement, les gars, pendant 2 minutes. Et là, je suis revenu, la moto a disparu. C'est quoi ce délire encore? Eh ben, la moto a disparu. Voilà, je viens de perdre 50 000 $, les gars. Gros bug au club de motards. Chargement fini, puis disparition de la moto. Me voilà dégoûté. Bon, bah tant pis, on va taper un contrat histoire de péter les 1,5 million. Non, les gars, faut vraiment que j'achète le... Faut vraiment que j'achète l'appartement dans l'agence. C'est vraiment pas pratique. Rénover, logement, combien? 275 000, ben tant pis, j'achète. Le cannabis sera pour plus tard. Ah, c'est vraiment chiant de... Voilà, agence. Ah, le plaisir, les gars, de se taper dans l'agence. Oh là là, ah, j'ai plus l'habitude, c'est où la sortie? Mais encore, on est bon. Est-ce que le fait de changer de session, les gars, ça renouvelle les contrats ou pas? Est-ce que j'aurai un spécialiste ou ça va rester 3 professionnels? C'est la question que je me pose âme. Moi, j'ai l'impression d'avancer pour reculer, frérot. Je fais 1,5 million, boum, je retourne à 1,2 million. Mais bon, c'était un mal nécessaire. Oh putain, je peux pas mettre en sécuro. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le... Ouais, je peux pas me mettre en sécuro. Voilà pourquoi c'est important, les gars, d'avoir le l'appartement dans l'agence. Hein, parce que quand tu peux pas te mettre en sécuro, tu changes de session vite fait. Hop, à tout de suite. Ouais, je vais pas pouvoir me remettre en sécuro. Le truc, il s'affiche pas. Putain, bon, c'est bugué, ça me casse les couilles. J'étais à fond dans mon épisode et c'est en train de me couper de... Eh ouais, je peux pas. Bon, bah, tu sais quoi? Go session sur un vide, j'en ai rien à foutre. Allez, hop. C'est en train de me faire rager, là. La moto que je perds, je perds mon temps dans des chargements. C'est quoi, ça? Seul au monde. Bah, parfois, c'est le plus grand des bonheurs, hein, seul au monde. Je sais pas pourquoi les sessions sont blindées, c'est un mardi après-midi. Allez, dis-moi, fais-moi plaisir, frérot. Au moins spécialiste normal. Peut-être pas spécialiste plus, mais au moins spécialiste normal. Ah, j'ai un spécialiste. Ah, liquidation des actifs en spécialiste. Pour 50 000. Bah vas-y, je le fais. Par contre, il va falloir que je m'achète une nouvelle caisse, que je commence déjà à me lasser de mes caisses business que j'ai achetées là. Et de ma grosse cylindrée aussi. Je vais prendre la fusillade, on va peut-être essayer de la custom après. Rejoignez Rockford Hills. Let's go. Il fait jour, il fait beau, quoique non, il y a un peu de brouillard. Elle est belle, hein, la fusillade, les gars. C'est une super caisse, les gars. Tellement de caisses qui sont sous-cotées dans ce jeu. Nous voilà, nous arrivons. Oh putain, c'est exactement la même que tout à l'heure. On tire sur le PNJ, il accélère. Faut lui mettre un petit coup de pression. Allez, avance. Oh, comment il trace. Oh, j'aime quand il trace comme ça. Ah, il a eu un accident. Oh, je suis l'espion le plus discret là. Je m'en fous. Après, les gars, pour finir cet épisode de Soum Soum, je vais custom ma fusillade, j'en ai rien à faire. Tant pis pour l'argent. Je voulais économiser, mais c'est bon, j'arrive pas. Ah non, il m'emmène là-bas, ok. Je sais pas où il m'emmène, mais ça a l'air d'être vraiment chiant. En plus, je vais devoir semer 4 étoiles. Ouais, je me fixe un budget de 200 000 $ pour la custom. Mais putain, mais il m'emmène à l'autre bout de la map, t'es sérieux? Oh, c'est en train de me saouler, les gars. Oh, il y a une bestiole. Oh, il y a eu un accident, vous avez vu ça? Putain, il est en train de me faire péter un câble, là, sérieux. Mais regarde, il est trop con. Vas-y, avance, je vais m'énerver, là. Les bugs et tout, les chargements, plus ça, c'est la goutte d'eau. Vas-y, avance. Putain. Regarde, les gars, on est parti de là, les gars. On est en train de se taper toute la map. Mais qu'est-ce qu'il fait, frérot? Oh là 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 là. C'est la pire liquidation des actifs que j'ai jamais eue. Elle est horrible. Alors, on va essayer de la faire proprement. Ouais, on va se mettre à couvert parce que là, c'est n'importe quoi. Ça c'est détruit, ça c'est détruit, ça c'est détruit, c'est bon. Toi tu fais coucouche panier.
Et voilà. Il est mort, lui. Ouais, c'est bon, il est mort. Allez, placer les explosifs. On fixe ça proprement. Par contre, pour semer les flics, va falloir que je me retape tout le chemin jusqu'à la voie ferrée. Ou sinon, que je les sème dans les montagnes. Ça va être une course-poursuite d'enfer. En plus, j'ai une voiture avec les pneus crevables. Je suis pas malin, moi. Ah ouais, ça va être chaud, la course-poursuite, les gars. Je vais me faire goumer. Où est-ce que je peux aller? Non, il n'y a pas le choix. Faut aller là, hein. Ou sinon je paye, mais si je paye c'est débile. Ça veut dire que... Ouais, 4 étoiles. Ah ouais, hélico et tout. Bon les gars, on va aller en enfer les gars, j'aurais pas dû prendre ce véhicule. Ils vont me crever les pneus, c'est sûr. Ah, je vais mourir les gars, c'est... Ah ouais, là c'est le cauchemar là. Effet liquidation des actifs, hein, disait Démonia. Ah ouais, super frérot. Merci du conseil, hein. Ça te voit que toi tu joues à MK2, hein. Il va pas comprendre pourquoi je lui mets une balle perdue. Mais c'est lui, il me dit fait liquidation des actifs. Je lui dis non, elle est trop casse-cou. Il me fait mais si ça passe, ça passe. Ouais, toi t'es en MK2 frérot. Tu m'étonnes que ça passe. Ça va, j'ai de la chance, ils m'ont pas crevé les pneus pour le moment. Allez, on y est presque. Finalement, c'était moins chiant que prévu. Pour toi, tu vas manger, toi. Oh merde. Putain, prends ta balle. Putain, la gueule de la caisse. Non mais j'ai pas eu de chance, j'ai dû avoir le pire liquidation des actifs les gars. Oh, ils m'ont buté. Ah, je pensais pas ça. Fourrière, et j'ai encore les flics. Parole démonia, je vais le goumer avec ses conseils à la con là. Regarde dans quelle merde je suis là. Tu vois pas que je suis dans la merde là? Mais ouais, je me fais crever les pneus. Liquidation des actifs, ouais. Super idée frérot. Best idée ever. Je suis en enfer, frérot. La mission elle dure un quart d'heure. J'ai 4 étoiles. J'ai plus de voiture. L'autre, elle est à la fourrière. C'est... Allez, c'est bon. On souffle. Je vais craquer, là. Et il y a le train. Me dis pas qu'il y a le train. Il y a le train, frérot. Bon, et eh ben je vais re-être à pied en plus. Ah non, c'est bon, c'était dans l'autre sens. La DP de combat, je le lâche. Éclaté. Faudrait que j'achète une armurerie pour trier mes armes. Ils ont abusé Rockstar à mettre 4 étoiles. C'est chaud 4 étoiles, frérot. Ah, c'est bon. Plus 50 000, et eh ben c'est pas du luxe, hein. Ah, j'ai dit que je faisais la cabine téléphonique, mais là c'est la fin de l'épisode. Je vais aller custom la caisse que j'ai dit que j'allais custom là. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, fait chier, il y a trop de noms à retenir. Ah, c'est en train de me rendre fou, je cherche le nom. Oh là 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 là. Ah bon, bah j'arrête de chercher, c'est bon. On va payer, hein. On va payer pour être tranquille. Oh là, dans l'état qu'ils me l'ont mis. Direction l'atelier auto. Non, là, c'est pas l'atelier auto. Là. Voilà. C'est plus une voiture que j'ai, les gars, c'est une passoire. Franchement, t'as vu la gueule de la voiture? Le titre de la vidéo, ça va être « Je n'écouterai plus jamais Démonia ». Oh, l'accident inévitable, celui-là. Allez, on va lui refaire une petite beauté à cette fusillade, voilà. On va mettre le turbo tout à fond. Alors. Vitre, limousine, turbo à fond, transmission à fond, suspension à fond, moteur à fond, frein à fond, voilà. Et maintenant, on se fait kiffer. Cet aileron. Ah ouais, elle est sympa avec cet aileron-là. Aileron haut, bas de caisse, éclairage, on s'en fout. Klaxon, pour le moment, on s'en fout. Oh, ça lui va bien, le capot en carbone. Vas-y, je le mets. Échappement, gros calibre, pare-choc avant, séparateur custom. Et maintenant, il n'y a plus que la peinture. Attends, je passe par les caméléons, vite fait. Ça lui va bien, hein. Acier brossé avec le capot en carbone. Ou sinon,
Noir mat avec le capot carbone, j'aime bien aussi. Ben, ça sera noir mat qui a gagné. Et voilà les gars, les customs. Oh non, j'ai oublié les roues. Oh, quel teubé, quel teuteux. Bah, les roues sont déjà pas mal. Non, c'est pas bien. Non, elles sont pas déjà pas mal. Il faut mettre les pneus à l'épreuve des balles en plus. Type de roue, on va mettre du haut de gamme. Oh, les carbone solar, ça lui va bien. Allez, hop, carbone solar, c'est parti. On n'hésite pas. On met la couleur noire. Ouais, je peux mettre les pneus custom, ça fait pas trop abuser. Amélioration des pneus à l'épreuve des balles. Elle fait business quand même, elle fait sportif, mais un peu sportif de business, tu vois. Oh, je sais pas. En tout cas, elle me plaît. Et je pense que c'est l'essentiel. Je vais juste conduire avec pour la ranger dans le garage de l'agence, histoire de la tester un peu. Elle est nice, hein. Elle est rapide, c'est bien une sportive, hein. On le sent quand on la conduit, déjà on se fait pas chier au volant là. Là faut être concentré, ça va assez vite, donc c'est nice. Je suis plutôt satisfax. Ouais, je suis satisfait. Nice, bon bah les gars, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu les petits potes. Et puis je vous dis à demain. Et surtout n'oubliez pas les potes. Surtout n'oubliez pas les potes, hein. Le tabac, c'est mal là. C'est pour ça qu'on lâche la cigarette. Voilà. La bise.